avec des publics. Ah ouais, kaké beti. C'est qui a vu du public et bandi. Y'a mon bon amant des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Avidi Pibi. Et cela dama. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Avidi Pibi. Et ce talema. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Avidi Pibi. Et cela dama. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Avidi Pibi. Nga nata kuye biso Tiko nga kilema tuki niko Kutala na biso Avidi public Tiko nga ko kilema tuki ndi Fakile londiko Itande fin Fakile londiko Tuko tepela Yomo kupi oye binenga Avidi public Ibinga kia Bami sisi ba komedien Tiko kumo Avidi public. Thank you.
Akomu ko vire ku peba. Yabatu. Akomu ko vire ku peba. Yabatu. Ali ma suki wala ndo fo bende. Nimi o su suka ka mongo. Atati fo ti. Mobradi ko kidite. Yimo ko ibina. Akomu ko je. Tu mo se kiti. Si mo so lu so ni wala je te la ka. Si mo ko so ni mo, mo ko fo ka mo ni ka bo te. Si mo so lu so ni, akomu ko ka. Si mo mo ka mamba ni abiki. Tasi. Dieu va nous parler en fait. Yeah.
responsabilité pour atteindre son apogée. Dieu a créé l'homme, il n'a pas dit que tu dois tourner le dos. Non, il dit, voici le jardin, tu vas le cultiver. Quand on parle de cultiver, cela veut dire tu dois travailler. Alléluia. Amen. Tu dois travailler. Bien aimé dans le Seigneur. Là, je passe pas du côté de l'homme et je vais chiter sur la femme. Un homme qui veut atteindre son apogée doit avoir des visions à concrétiser. Un homme qui veut aller plus loin doit s'assumer. Et un homme doit accomplir la mission divine que Dieu lui a donnée. Quelle est la première mission divine que Dieu a donnée à l'homme? C'est de prendre soin de sa femme. Quand tu étais seul, rien ne marchait. Et Dieu t'a formé, il t'a donné une aide semblable. Pourquoi il t'a donné une aide semblable? Une aide semblable parce que tu n'étais pas dans ton apogée, tu étais plus bas. Il n'y avait que la médiocrité, rien n'allait. Vous savez, quelque part j'ai été honoré tout simplement parce que je suis un homme marié. Ah, monsieur, on me respectait à cause de mes enfants. J'ai marché des fois comme ça avec mes enfants, avec mon petit corps. Et mes enfants, j'entraînais en route comme ça. On me dit, oh, Rachel, who's that? Là, Rachel, c'est qui là? Oh, it's my dad. Oh, il est qui là? On a dit, oui, petit enfant, la nabino, c'est la bonne. Alléluia. Amen. Je vais parler sur l'apogée. Socialement. Spirituellement et éducationnel. Trois dimensions. Ça dit, tu veux être bien dans ce monde que Dieu a créé, tu dois travailler sur ces trois points. Socialement, est-ce que tu es un homme équilibré? Et comment est-ce que tu peux avoir de l'équilibre si tu ne travailles pas ton intelligence? Il y a des hommes, quand tu parles dans le public, les femmes ont honte. Ah, n'engage pas sa tête, n'engage pas sa papa dans le bâti. Et il y a des femmes, quand tu parles en public, son mari tremble. Ah, mais pourquoi lui a donné les paroles? Il ne fallait pas qu'elle parle. Le problème n'est pas là. Le problème est que dans votre union, vous devez travailler tous les deux pour atteindre votre apogée, tous les deux. Allez dans le point le plus élevé. Vous pouvez quitter, oui, comment dirais-je ça? Vous pouvez quitter ce qui est de terre à terre, ce qui ne représente rien, afin de monter plus haut. Vous pouvez atteindre le sommet, mais il suffit seulement de prendre la décision. Je vais donner un exemple sur le point social. Le point social, tout est dans la Bible. Quand Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, mais toi tu as un problème. Tu t'es marié, mais tu es toujours resté attaché à ton père et à ta mère. Et c'est comme ça qu'il va atteindre ton apogée? Non. Impossible. Même dans des petites choses. Non, les hommes, vous devez quitter la médiocrité. Alléluia. Amen. Oh, ah, Dieu me cherche des problèmes. T'as compris, Marie? Non. Bien aimé dans le Seigneur, un homme qui est en train de prémicher toujours, ah, même des petites choses, choses avec maman, la biso. Ah, maman, la biso. Toi, tu n'as jamais quitté la cousine de ta mère. Amen. Mm-hmm. Ah, maman la biseau avec Olamba Pondou. Non mais celle qui est là, ce n'est pas ta maman, c'est ta femme. Là où tu vois que ça ne marche pas, prends peut-être que tu es parti chez moi, je fais une fois. Ma femme, elle n'est pas de Bayon. Mais une fois j'étais parti quelquefois chez ma mère, ils ont bien préparé les pondou dans ma tête. J'aime ça. Et je me dis, ah, maman, tu as préparé une fois, mais c'était pas bien. Et j'appelle une de mes filles, bijoux, je dis, mais est-ce que vous ne pouvez pas montrer? Tu ne peux pas montrer à ta maman comment tu... Ce n'est pas un problème de créer toute une discussion, de se lamenter, non. Mais maintenant, même quand tu parles,
langage. Un homme qui ne sait pas comment parler à sa femme. Vous savez, il y a correction et correction. Je sais comment faire maman Brigitte. Je la connais 30 ans. Ensemble. Non, laisse-moi. Bien-aimé, je la connais très bien. Je sais comment la mettre en colère. Et je sais comment aussi faire qu'elle soit joyeuse. Si tu viens, ma Brigitte, ça marche pas. Brigo, ça commence à déconner. Chérie, est-ce que tu vois pas que. Non, ma chérie, mais c'est pas. Tu vois, c'était une erreur, c'était une faute. Mais il ne se passera rien du tout. Elle va se côté, elle comprend. Là, papa voulait dire ça, ça. La manière même dont tu parles, tu n'as pas du respect envers ta femme. Alléluia. Pourquoi j'ai commencé avec les hommes? Parce que Dieu a commencé d'abord par l'homme. En d'autres termes, l'homme est dans la maison, est le chef. Et le chef, c'est lui qui sait comment donner les instructions. Amen. Si tu n'as pas la capacité de donner les instructions, tu seras un mauvais chef. Si tu n'as pas l'habilité, la capacité de transmettre ton message, savoir parler aux femmes, tu as un problème. Amen. Dans ta maison, il y aura des marmites qui vont sortir dans les fenêtres, il y aura des choses, il y aura toujours des bagarres, des jetons que nous appelons, ou des grosses, des mots durs, des insultes, et c'est grave. C'est ce qui fait que nous avons un problème dans notre société actuelle, qui est le taux de divorce est avancé tout simplement. L'homme ne sait pas se tenir dans sa position et l'homme a un problème que depuis sa naissance, depuis qu'il s'est marié, même quand il s'est marié là, son cœur était resté toujours dans la cuisine de son père, dans la cuisine de sa maman et à la manière de faire de sa maison. Il n'a pas encore quitté. Quand on se marie, on quitte de certaines habitudes. Des fois, j'ai sorti avec les amis, on passait le temps jusqu'à 20h, 21h. Mais quand tu es marié, mais tu restes, non, j'étais avec les amis, tu viens à minuit. Et celle qui est restée. Alléluia. Amen. C'est ça, il y a des femmes aussi. Amen. Et celle qui est restée. Non, oh, bien, oh, on va se revoir là. Moi, je rentre. Je vais quelque part, on me donne à manger. Des fois, je dis, non, j'ai mangé. Je m'excuse. Parce que je sais que quand je vais rentrer, il y a des choses que les femmes n'aiment pas. Laisse-moi te dire, mon frère. Parlons. Tu es sorti. Tu es parti. Tu as fait des voyages par-ci par-là. Et il y a une femme qui t'attend dans la maison. Et cette femme s'est donné la peine de préparer pour toi. Et quand tu arrives, le courageux que tu es. Nadia qui est déjà. Et vous croyez que la femme là va aimer ça? Elle a préparé avec amour. Elle veut que vous puissiez passer à table tous les deux. Bien aimé, j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. L'homme qui ne sait pas prendre soin de sa femme, il n'a pas atteint son apogée. Atteindre son apogée sur le plan social, ça commence d'abord dans ta propre maison. Et nous, comme des serviteurs de Dieu, c'est ce qui nous est recommandé. Un homme de Dieu qui ne sait pas prendre soin des siens dans sa propre maison, comment est-ce que la Bible, l'apôtre Paul pose la question, comment est-ce que tu conduiras la maison de Dieu, l'église de Dieu qui est la maison de Dieu? Amen. Tu n'as pas le temps pour ta femme. Et c'est pour ça que nous avons un problème très sérieux, il y a des divorces. La faute n'est pas donnée seulement aux femmes. Même si le point le plus sensible, le plus. Ma femme là, comme pasteur, je connais beaucoup. J'ai suivi beaucoup de gens. Mais pourquoi tu veux divorcer? Parce que ma femme m'a trompé. Regarde, l'exemple qu'on nous a montré là. Papa Gianni, il est là. Merci pour la pièce. Tu ferais un bon pasteur.
il ferait vraiment bon parce un tel monde il faut les chasser. Allez, d'ailleurs, il devait d'abord commencer par la confession, comme il a fait, et amener avec lui sa femme, afin que tu pries pour tout l'aider et les aider. Bien aimé, pourquoi il y a tant de divorces? Moi, je dirais première faute. La femme, ça vient après, mais c'est l'homme. Un homme qui sait garder sa femme, cette femme n'aura même pas l'envie de te tromper. Vous savez, laisse-moi vous dire, dans la vie normale, l'apogée d'une femme commence à l'âge de 18 ou à 16 ans jusqu'à 25 ans. La femme, déjà une jeune femme, a déjà atteint son apogée. D'ailleurs, ça commence très tôt hein, pour les femmes. Et vous savez, l'apogée d'un homme, ça commence à quel âge? Pardon? 40 et 45, mais toi-même 50. Et nous, tu vas faire 25 ans, nous allons avoir un petit. Mais une femme, dès qu'elle fait un enfant, elle se sent déjà qu'elle est une mère. Elle est plus consciente qu'un homme. Je vais vous expliquer. Bien aimé, une femme qui a donné naissance, dans sa pensée, comme cet enfant-là vient de toi, il ne va pas voir d'autres hommes. Mais ce qu'elle attend de toi, c'est qu'elle attend de toi que tu la respectes. Le respect. Parce que la femme a été créée pour recevoir. Mais si tu ne donnes pas, elle ne te donnera rien. La femme ne fait que donner ce que toi tu donnes. En d'autres termes, si tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. On nous a parlé pendant hier. Parce qu'on a commencé depuis hier. Vous savez, un homme qui n'a jamais appelé sa femme chérie, ou mon Seigneur. Papa Bishop, ça va? Ce côté-là, j'ai confiance. Ça va, non? Oh, maman. Elle dit que ça va, ne connaît pas ça, madame. Amen. Amen. Pensez aussi. Ah, toi, je peux même pas demander. Toi, ce côté-là, tu es gâté. Un homme qui ne sait pas parler à sa femme, la respecter, elle fait que des reproches. Toi, depuis que tu as ta femme, tu fais que des reproches. Elle prépare, ton homme va bien dire. Elle s'habille, elle cherche des compliments. Depuis qu'elle s'est habillée, elle passe à côté de toi. Oh là là, chérie, tu es bien habillée. Oh là là, mais c'est magnifique. Tu ne fais jamais de compliments. Le problème, ça commence à des petites choses. Avant que vous arriviez au divorce, ça commence à des petites choses. Tu fais aucun cas. Tu ne prêtes pas ton attention. Tu es intense. Tu ne regardes même pas. Pourquoi je parle beaucoup de l'homme? Parce que ce que l'homme donne, c'est ce qui va transformer la femme. Amen. Une femme qui reçoit beaucoup, elle va donner beaucoup. Amen. Des fois, elle est là. Nous ne faisons pas de théâtre. Je la vois là, elle vient, elle monte. Je dis, chérie, viens. Mais quoi? Tu sais quoi? Tu es très belle aujourd'hui. Je ne suis pas des flatteries. Non, mais si je te flatte, je vais flatter qui? Tu es très bonne. Tu as bien préparé. Tu sais, toi, nous sommes c'est la carte OK. Où il y en a pourquoi? Pas de mots gentils. Il n'y a pas la tendresse, il n'y a rien du tout. Et quand vient la fin, tu as la fin de l'autre côté. Mais tu veux manger les histoires. Comment? Tu veux manger. Amen. Et maintenant la personne qui cuisine, elle va prendre la marmite. Elle va fermer. Oh, coup comme ça. Et quand ça va continuer comme ça, tu te dis, ah!
tu cherches les démons, c'est tout pour les gens qui prient. J'ai pensé que tu vas là, vraiment, il faut les prier. Non, mon frère, ce n'est pas des démons. Dans cette histoire, il n'y a pas question de diable, il n'y a pas question de démons. Tu prends mal. Tu n'es pas jovial. Tu n'es pas romantique. C'est quand la dernière fois tu as invité ta femme pour aller prendre un McDonald's. Je ne parle même pas des restaurants. Même un McDonald's. On ne veut pas les plaire. Sortir ensemble. Toi, c'est qui a donné que tu as l'air? Amaël. Amaël, toi tu t'es marié. Non, pas ma gauche. Non, non, ma gauche. Aux autres, on va je vous dis, mes bien-aimés, si nous savons respecter nos femmes, j'ai appris à découvrir la femme. Je vais vous donner un exemple. J'ai participé à un séminaire nom de Dieu. C'était un Américain. Un séminaire de couple. Elle m'a parlé quelque chose que jamais oublié. Cette année, j'ai fait au moins deux mariages. Les deux mariages, j'ai encore l'autre mariage qui m'attend au mois de Chine. On était à Dijon. C'est un mariage entre une Africaine qui était ma nièce, chrétienne, et un Français, blanc et souche. Maintenant, je disais ceci. Beaucoup de gens qui prétendent être mariés, mais ils ne connaissent pas les femmes. Parce que tu fais ok, elle s'habille, elle se maquille, elle passe rien. Elle tourne rien. Ce qu'elle fait, tu ne vois même pas parce que tu n'es pas là. Et ça, ça suscite de la colère. Ça suscite, hein? Tu as une femme qui a la nervosité parce qu'elle n'est pas satisfaite. Amen. À cause de ta conduite, tu es un homme immature jusqu'à quand tu vas grandir. Si tu donnes l'amour, tu vas récolter l'amour. Vous savez, une femme, c'est comme le tableau de bord de 747, je crois, du Mojet, le Bouing. Mais cet appareil-là, pour le faire fonctionner, pour que ça puisse. Si tu regardes le Bouing, là, 747, sur le tarmac, tu diras non, non, ça ne va pas voler. Non. Un gros tri comme ça, ça ne va pas voler. Et c'est ça aussi la femme. Tu peux voir une femme, peut-être pour les gens. Merci Guillaume Assouk Mouba la Mandé Fabembe. On est avec mon directeur de l'Oawa. Frère Nana Kinel Maleko. Le maçon est dit que tu sais plus ma casse. Très parti par les voies, la personne passe à la bête. Il m'a dit que tu sais plus. Le maçon est bien dit. La personne est toujours là-bas, il est tout. Il dort des limites. Samba de Paris. Assistant à Yelka, assistant à Yelka, la poste métier. La petite moto est sous la terre à nouveau, ma belle Sika. Ma Jean-Daniel, ma belle Sika. Mère Tété, Tété Thérèse. La moto a tout de suite la carte à Suissawa. Et là, il y a qui est maléco. Ma belle, on a été en train de me dire. Je me dis, je suis en train de me dire. Donc, on a ça. Ouais, merci beaucoup. Donc, voyageuse arrive facilité pour l'immunité que tu retires, mais tu quittes quand même, surtout pour la Franco. Parce que l'immunité Franco, il y a un terre où il y a des coups, non? Mais, fin de compte, en tout cas, nous avons soumis, tu quittes. Ah ouais, et le monde a dit que c'est sur le terrain, en tout cas, et l'autre soirée, l'équipe bien. Et nous, nous sommes salés, l'équipe bien, mais comme je l'ai très très bien. En tout cas, merci beaucoup, 4 fois prêt à Washington, en Amérique. Merci à Yawana. Pour cette vie, je suis en train de me dire. Merci beaucoup Peter Kamba, le grand garçon à 4 Orléans. Moulongania, Irène Mamoundele, Charlie, Mouté, maman, papa, sa mère doublée. Na 4 Orléans, maman, t'as trop. En tout cas, Claudia Auguste, maman, banami balé. Jennifer Maleko, Héritier Maleko, Yawana. D'autres, je vous aime beaucoup. Vous continuez toujours, vous avez suivi. Kolanda, Guilherme Masuki, Mouba, la Mande, Fouapembe. Avis du public, toujours. Avis du public. Avis du public.
Nzamba pambola bino. Merci. Merci Nzambe, merci parce que ça m'a là mon konale lo Seigneur et ba ki a mweza ki azarte. Donc comme si na moment nyo so to passer la présence à Dieu. Donc deuxième jour il y a séminaire na biso en tout cas. L'homme de Dieu a été biso to si a botuya donc lobi to ki na ti na suka. Donc aussi a journal lobi troisième jour vraiment to za béni. Deuxième jour, tu as béni, et que l'eau vient de se passer sur la bénédiction, et belé, belé. Donc, mon corps, mon frère, ma comité, on a ici, quand on a un couple, donc, une famille, les amis, maman, papa, et puis voilà, les bautotés à Bisson, nous avons mis à jour, vraiment, merci beaucoup. Journée, l'équipe, tu as mis à jour, donc, journée, la Bisson, vraiment, l'équipe, bien, Mathé, on a mis en tout cas, Nous sommes tous les parents. Merci pour le premier avril 2023 que Dieu avait choisi pour nous d'être là. Tokoum Sinzambe, pour la journée de l'eau, c'est l'équipe bien par la grâce de Dieu. Tobengi binolisus lobby, et Zajoura Souka, Boya, Tokoum Sinzambe ensemble. Voilà, merci. En tout cas, la Sinzambe, merci pour la journée à l'eau et l'équipe du Sou Malamou. Créer les mois de la femme selon le 1er avril donc Bateibiso sur le projet sur le mariage donc étant que femme mariée j'ai pris aussi ma part donc nganaye étant que SOS maman suisse on a pour soutenir toujours ma bonne action on a pour présenter association la Biso donc l'encolomara que pour soutenir les bonnes actions parce que autour de ça là ils appellent côté là la remercier équipe et Ambibiso maman Oya Bengisi Biso en tout cas merci na Nzamba Pambolaye. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. C'est vrai que c'est un thème qui est trop profond, la famille, l'apogée d'un homme et d'une femme. Nous avons essayé d'exploiter ce thème aujourd'hui. Et demain, nous allons encore continuer. Apparemment, le peuple de Dieu a été béni. Il a répondu positivement. Et c'est un thème que nous voulons développer dans la communauté parce qu'il y a trop de divorces, de familles en dislocation, de familles de divorcés. Il y a des désordres totaux. Alors, nous voulons continuer à prier devant le Seigneur pour qu'il y ait de bons mariages. Les hommes et les femmes qui servent Dieu et qui marchent dans le mariage afin d'avoir un bon avenir et une bonne société et les enfants qui aient de repères, les enfants qui auront des repères manabaniba zuaba repères et panabiso ma parent être de bons maris et de bonnes femmes pour faire sortir une bonne famille. Voilà tout ce que nous cherchons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et pas prochainement, nous allons encore continuer avec ce thème. Merci beaucoup. Alléluia, 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 Alléluia,
Mama,
Avec des publics. Ah ouais, kaké petit. C'est qui a vie du public est bandi. Y'a mon bon amant des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Nassi Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Avec des publics. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Avec des publics. Et ceux d'allemand. Afrique, Amérique, Europe. Et sous la dame Afrique, Amérique, oh. Europe, Asia. Comment Avini Pibi. Yeah. Tiko Naga, Nata, Kouye Biso. Tiko Naga, Kilema, Toki Nego. Koutala na Biso, Avini Pibi. Tiko Naga, Kilema, Toki Nego. Parce que l'on Niko, il t'en est fait. Parce que l'on Niko, Toko Tepela. Je m'en coupe, Oye Puneng, Avini Pibi. Et bien d'accord, comme ici c'est pas comédien, c'est comment Avec des publics,